Le climat, je l'ai affronté, j'ai affronté des températures extrêmes, euh, extrêmes entre Paris et Dakar, donc c'était 5600 km en 20 jours et j'ai vu, euh, j ai, j ai vu des, choses, euh, des choses bien, positives, extraordinaires même sur ma route, et j'ai vu, euh, vu la folie avec de, du, de, des déchets plastiques euh, assez omniprésents. Et puis j'ai affronté la chaleur, je me suis exposé aux conditions peut-être de demain. Là. On voit ce qui se passe en Australie, mais je pense que ça peut arriver très vite en France. Je pense Ils annoncent des températures entre 45 et 50 degrés cet été. Je pense qu'on y sera. Et, et faut, ouais, je, suis un un, je suis un peu un hamster qui va tester. Je suis le cobaye des conditions de demain et, et ça me plaît bien. <laughs> À souvenir le plus fort, je pense que c'est mon arrivée à Dakar avec euh, une centaine de personnes qui m'accueillent. Si j'étais arrivé à la place du Trocadéro, euh, j'en aurais eu dix. Euh, mais <laughs> mais c'était fou, c'est un spectacle que seule l'Afrique peut offrir. Euh, des gens qui viennent. Avec... En plus, c'était le lendemain de l'élection du président, la réélection du président. Et ils étaient là, et ils me couraient après, ils m'avaient vu à la télé. Du coup, j'étais leur, leur star. Quoi. Et puis, je viens de Paris, jusqu'à Dakar, 20 jours, pour eux, j'étais un, un héros. Et euh, l'arrivée de l'Himalaya, c'était fort aussi, mais j'étais tout seul, quoi. J'étais tout seul et c'est pas la même arrivée. C'est apaisant d'être tout seul. Ouais, Dakar, je pense que c'est l'un des plus beaux souvenirs de ma vie, Ex exceptionnellement euh, fort pour, parce que c'est un pays africain, parce que ailleurs, je ne sais pas si j'aurais eu ça et ouais. l'Afrique. Dakar, Dakar, je pense que c'est. J'y retournerai juste pour ça, je pense, juste pour avoir cette folie. <laughs>